Et de retour. Et de retour. Pour cette deuxième demi-finale de la journée qui oppose Pisek à l'Acro Lyon. Exactement. Et ça part très très vite. Numéro 16. Premier tir à 3 points dans cette partie et c'est manqué. Et le rebond sera défensif. Le rebond pour l'Acro Lyon. Attaque à suivre avec le numéro 9. Écran demandé. Ça va chercher l'écran. Ça vient, ça joue bien. Numéro 5, ça redonne. Le petit 1-2. Ouh, très très bon passage. Et ça vient chercher l'intérieur. Et la première faute de ce match. Faute du numéro 11 de Pisek. Et deux lancers à suivre pour le numéro 15. Pour essayer d'ouvrir le score dans cette partie. Avec peut-être un Lilou Amand, super. Bonsoir, bonsoir, bonjour Lilou Amand. C'est l'Acro. Et le premier panier. 1 sur 1. Et ça commence. Pour l'Acro Lyon qui débloque son compteur. Et qui débloque ce match. Et non. Et ça a mordu. Ça a mordu, il sera retiré. En effet. Et le numéro 10 de Pisset qui n'a pas joué le match hier contre Yeti et qui joue aujourd'hui. J'espère que vous allez toujours bien sur le chat. Oui. Hué Étienne. Oh bah Théo. Il y a Théo de chiffres. Ouais Tété. Hué. Et puis c'est qui va durer là... encore un deuxième tir à 3 points. Et le 3 points. Et l'école de ça tir commence. L'école de tir des pays de l'Est. Ça commence. Ça commence déjà. Il a peut-être rendu. Il est rendu ce shoot à 3 points. Alors que là c'est un jump shoot sur une passe intérieure et le rebond offensif. Et Pisek qui continue d'attaquer, qui remonte. Ah, il vient chercher la brique. Il n'aura pas ce qu'il espérait. Numéro 5 peut-être s'arrêter. Et là le stop. Bon tir. Et le rebond. Rebond pour Pisek. Oui, il a restoppé son dribble. Quelle erreur. Ça fait lui coûter très très cher. Très bonne défense du numéro 5. Et le numéro 9 qui ne vient pas concrétiser ce ballon. Du 10 de Pisek. Numéro 9 qui va vouloir jouer son 1 contre 1. Alors, que là, alors qu'il le numéro 9 en contre-attaque. Le coast to coast. Et 3 partout. Oh. Et le pied. Et le du pied. Et la balle sera quand même pour les Tchèques. Et le pied du numéro 15 qui a traîné. Et là, la belle défense. Et balle rendue à l'Acro Lyon. La belle défense. Ils sont récompensés, les joueurs de l'Acro. Alors que là, c'est le numéro 5 qui rentre. N'hésitez pas sur le live à nous dire si la transmission est correcte. Si tout va bien. Très très bien. Numéro 4, il cherche ses coéquipiers. Premier panier du numéro 5. Non, le numéro 5 qui rattrape ce deuxième tir. Rebond offensif. Le numéro 13, il va vouloir jouer. Peut-être le marché menant, il n'est pas sifflé, mais là, la contre-attaque. Ah, quelle grossière erreur de la part du joueur de l'Acro Lyon. Alors que là, le 16. Et la grosse défense. Et là, le rebond offensif. Il a bien suivi le shoot de son coéquipier. Ah, il était à l'affût, le joueur de Pisek. Nickel, mon chef, nous dit Théo. Que tout merci va bien. Mon tété. Oui, ça joue bien. Tire à 3 points peut-être. Non. Alors que là. Oh, c'est bien trouvé ça dessous. Ellen One qui ne sera pas concrétisé. Il avait bien trouvé là son coéquipier sous le panier. Oui. Pas évident à réaliser comme passe.
Et les deux lancés pour l'accro. Ouais, pour essayer de recoller au score. Déjà. Alors que vous êtes déjà 18, c'est incroyable. Déjà 7-5 pour l'accro Lyon. Pour Pissek, pardon. Oh merde. Je fais n'importe quoi avec le tableau de score, c'est incroyable. Voilà. Et 8-5 pour l'accro. Donc là, l'accro continue de. Ouh, c'est bien défendu ça de la part des joueurs de Pissek. C'est bien défendu là. Alors que là, peut-être le shoot à 3 points et le rebond offensif. L'accro qui n'était pas sur ce rebond. Et il remonte tranquillement le joueur de Pissek. Très bien géré cette zone presse. On voit qu'ils ont dû bosser. Yes. Hier soir, le coach il a dû mettre en place un système dans l'urgence. Oh le contre! Le contre et ça remonte très facilement. Et ça remonte quand même. Qui aurait pu, peut-être, il a bien suivi le ballon. Ouais. Et la passe compliquée. La mauvaise passe. Et pas touché par l'accro. Is there any check on the live? Because qui commence déjà à crier. We see you. we see some check at the last game of Pissek. 10h du matin et sa gueule déjà. On l'aime bien ce coach. Il nous fait vibrer avec un très très bel humour. Il nous fait mourir de rire. Un mourir de rire. Incroyable. Oh le tir lointain. Oui, c'est dommage. Va-t-il retirer? Ça joue très très large, hein. Wouah, quelle passe! Ça shoot. Oh, c'est dommage, la gamelle, bien tenté. Oh là là. Alors que là, le ballon n'est pas sorti pour Pissek. Le numéro 5 hein, qui est rentré, très très bon joueur, le numéro 5 de Pissek. La faute avec le corps. Et l'entrée du numéro 16 pour, qui en place au numéro 11. Et le 18 qui laisse sa place au numéro 13. Le numéro 5 de Pissek, vraiment très, très bien. Bon comme ouh ça. Ouais, panier accordé. Ah, panier accordé, il touche le filet. Ah, c'est dommage, il était monté haut le numéro 13. Ah, mais il touche le filet sur ce shoot. Ah, l'arbitre qui avait effectué une très très mauvaise rencontre hier. La rencontre qui opposait Pissek à Rieti. Il est dans le collimateur des joueurs Pissek du coup. Faute du numéro 5 qui a poussé sur sa défense. Et il faut pas défendre en poussant, tu défends avec les jambes. Exactement. Après, le numéro 9 qui sort. Numéro 9, gros joueur, hein. Joueur majeur de cette équipe de l'accro. Accro Lyon qui évolue à un très très bon niveau depuis de nombreuses années. Exactement. Et ça fait déjà 2 ans qu'ils viennent participer au tournoi ou 3 ans? Je ne saurais pas te dire. Numéro 5 qui tire forcé. Alors que la Pissek repart à l'attaque. Très très bien vu. Le premier tir. Le tir à 3 points était ouvert. L'école de tir des pays de l'Est n'a pas fonctionné pour ce coup là. Numéro 4 de la Croatie omniprésent. Jeanne Martin au top les gars, bientôt bientôt aux côtés de David Cosette. Et qui? Jeanne Martin. MDR. Ouh le flotteur. Attends, mais c'est... Ah mais si. C'est mon code sur. C'est mon compte sur mon iPad je crois, ça c'est mon père qui a dit ça je crois. Ah mais David Cosette il va partir à la retraite à cause de nous. Bah oui, alors là c'est obligé là. C'est obligé. On va le remplacer. Ah ouais.
On va le remplacer. Alors là, c'est 11 à 10 quand même, c'est très serré. C'est serré. C'est deux demi-finales qui sont très serrées, parce qu'on rappelle que Rohan s'est qualifié à la surprise générale en battant Lindbourg tout à l'heure de 6 points. 56-50. 46-40. Alors que là, Pissek vient. C'était un match. Vient gratter le ballon. Le match de, qui opposait la chorale à Lindbourg, un match assez fermé avec seulement 46 points. Au maximum. Et deux défenses de zone, hein, quasiment tout le match. Défense de zone de la part de Lindbourg et une grosse zone presse qui a fait du bien à la chorale, hein, on vous le rappelle. Si vous avez manqué ce match, n'hésitez pas à aller Il sur Il est YouTube. Disponible en rediffusion sur la chaîne. Soit en rediff. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, hein. Ça fait toujours plaisir. Et vous pourrez suivre les prochains matchs jusqu'à la fin de ce tournoi. Et notamment la grosse finale. À 17h30 et la grande finale. Qui de ces deux équipes rejoindra Rouen? Le jump kick. C'est propre. Ça touche pas le cercle. Est-ce que cette année ce sera une finale française? Franco-française. Alors est-ce qu'on aura le droit à une équipe étrangère? Incroyable 1-2. Il a raté le plus facile. Incroyable 1-2 entre le numéro 5 et le numéro 12. C'est un passe-va au basket, mais t'inquiète. Et non, là il avait fait le plus compliqué. Manque d'agressivité sur la finition. Le joueur de l'accro. Mais il se rattrape. Il rate un double pas. Et juste après, il vient te mettre à 3 points. Et non. Ça ne passe pas. Et donc, du coup, fin de ce premier quart-temps. L'avantage de l'accro. Et quelle fin de quart-temps. L'accro gagne de 4 points, hein, 11 à 15. Avec un numéro 5 qui est déjà 2 sur 3, 3 points. Exactement. Grosse performance de la part de ce joueur. Pour ne pas se faire striker la chaîne, on vous met le waiting screen et on se retrouve juste après. Et de retour pour ce deuxième carton. Oui, mon cher Julien. Avec ce bon avec l'accro à l'attaque. Et le marché, la première paire de balles. Ah, c'est dommage, il avait fait la différence sur son premier appui. Il avait créé la différence en effet. Ah, il aurait dû poser son dribble avant, c'est dommage. Et l'interception peut-être, non. Dommage. C'était compliqué ça. Peut-être. Et le gros rebond offensif de la barre de Pissek. Et le numéro 10, déjà deux rebonds offensifs, deux fois qu'il remonte derrière. Faut faire attention à ce joueur qui suit. Ils sont très présents au rebond, hein, les Tchèques. Ah, ils le savent, ils ont un avantage de taille à l'intérieur, il faut qu'ils aillent le chercher. Et encore une perte de balles, la deuxième dans ce début de carton pour l'accro.
Deuxième marché sur deux attaques d'affilée. Ce qui peut permettre à Pisek de repasser devant ou de revenir au moins à hauteur de la chrono dans cette demi-finale. Et le marché, et mais le bon, marché, on passera outre. On est en NBA ici. Et beaucoup trop d'erreurs. Et là, il est ouvert, il est ouvert, il est ouvert. Et non, ça tape le fond de cercle. Et encore, regardez. Et la faute, cette numéro présence. 17. Faute offensive. Bah, encore une fois, cette présence quand même au rebond offensif, hein, puis c'est qui prend les rebonds. Hein. Dommage qu'il ait tiré le maillot du numéro. Et le coach tchèque, toujours aussi théâtral. Le classico, on l'appelle le classico. Hein. On l'appelle mec. Pas du tout comme ça. Il est énorme, le mec. Il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. Il me fait mourir de rire, moi, à chaque fois que je le vois. Snapchat qui nous envoie des petits snaps. Quand t'as pas d'amis et que le snap que tu reçois, c'est la type Snapchat. Joyeuse pack. Et on repart. La bonne défense du numéro 9 qui a failli se faire passer. Alors que la VSR est en face. Et on les voit se préparer mentalement pour leur match. Qui a sorti la casquette, ça veut dire que là il ne rigole plus. Il a sorti la casquette bleue là, c'est. Pour pouvoir la manger ici. Et l'Eurostep, non. Et le gros pour Edouard. Incroyable Edouard de la part de ce numéro 9. Quel joueur. C'est fou. C'est fou, il n'y a pas d'autre terme, c'est. Joueur de très très grande. Très grande qualité, hein. Très très grande qualité ce joueur quand même. Athlétique, adroit. Décisif quand il le faut. Il a absolument tout ce qu'il faut. Oui. Sauf peut-être un chèque de 10 millions d'euros qui pourrait lui permettre de de faire tout ce qu'il veut. Et le lancer bonus qui est raté. Et 17 à 13. L'accro qui reprend de possession d'avance. Il se joue du numéro 8. Mais très très bonne défense, très très bien revenu. Et pas d'orientation pour l'axe. Numéro 5. Qui très, très bon joueur aussi. Pisek, hein. Il ne trouve pas de solution là, les joueurs de Pisek qui sont très bien repoussés et par la défense de l'accro. Ils veulent marquer le stop. Ils le veulent. Et maintenant. Non, dommage. Peut-être le marché. Ils avaient si bien défendu. Ils avaient si bien défendu et pourtant. Et pourtant. Un tir au buzzer. Et pourtant, ils se prennent un N1. Et ça, c'est. Et ça, c'est dommage quand même. Et ça, c'est dommage. Ok, ouais. Ouais, c'est bon. Et ouais. Vienne qui joue après, du coup. En fait, c'est le match pour la 5ème place qui a été. Décalé. Était décalé. Il est à midi, alors que le match pour la 7ème place sera à 13h30. Et ils ont interverti les deux rencontres. Okay. Ah, merci bien. C'est pour ça que les joueurs de Vienne se préparent déjà. Et le 3 points. L'école de tir des pays de l'Est. Qui les ramène à un petit point. Les écoles seulement. De tir, hein. Les tirs à 3 points, on les connaît. Le numéro 11 qui essaye de passer. Et pas du tout. 17 à. 18. Et 19-19. On a loupé quelques actions sur les points et là 21-19 parce que ce sera le N1 encore pour Pisek. Peut-être avec le lancer franc bonus. Ah, l'école de tir, hein. L'école de tir. Ah, ces joueurs qui sont très très adroits quand même, hein. C'est quelque chose, hein. Je pense honnêtement que ça doit être l'équipe la plus adroite dans ce tournoi. C'est possible. Globalement. C'est fort possible. Oui. C'est vrai que on verra au concours de shoot, hein. Il me semble que c'est Florian Pierre qui représentera Vienne au concours à 3 points. Oui. Alexandre. Alexandre qui a cédé sa place. Oui. Ah, il sait être humble et s'incliner devant plus fort que lui. Non, ça c'est faux ça, mais. Et le lancer bonus a réussi pour le numéro 9 de Pisek. Que l'on dit dans leur langage pisser. On ne prononce pas le cas. Ah ouais, bah voilà, bah pisser. Après, pour nos téléspectateurs francophones nous dirons Pisek parce qu'on est en France, bordel. Et la grosse défense de Pisek. Et faut la demander, il s'en sort. Grosse défense. Il s'en sort. Oh, encore une. Ah, et la contre-attaque peut-être. Quelle perte de balle, peut-être la faute. Et il rate ce layup là.
Oh, numéro 12 qui monte sur sa tête. Et qui vient et qui claquer son rebond. Incroyable. Quelle action. Et quelle action. Oh, quelle passe. Quelle passe du numéro 5. Très très bien joué. Et ça. On n'a pas le temps de commenter, ça va trop vite, le jeu va trop vite. 24-21 plus 3 pour Pissek. Le jeu va trop vite, mon Le match qui s'enflamme. Putain, alors je m'enfonce dans ma chaise, ouais. C'est incroyable, putain, m'énerve ces chaises. Et là, change de chaise. Ouais. Change de chaise en vrai. Alors qu'on fait là, pendant ce petit temps mort avec des changements, là. Appel à vous pour savoir si vous pouviez nous faire des virements pour qu'on aille manger à midi. Oui, parce que. Parce qu'on aimerait ne pas payer. Parce qu'on est là depuis 7h du matin. Voilà, donc si vous pouvez nous faire un petit virement PayPal de 70 balles. À Joe. Là, on le fait ce soir. Hein, un petit virement PayPal de 100 balles, ça irait très bien si vous pouvez le faire. Ouais. Alors Thomas, l'équipe la plus forte aussi, tu parles de Pissek ou de l'accro, mais je pense que tu parles de Pissek. Plus forte. Bah il y a Vienne quand même qui est largement au-dessus. Ouais, hein, mais après c'est vrai que Vienne est au-dessus, c'est juste que. Raphaël, c'est quand le concours à 3 points? Je ne sais pas, Raphaël. Normalement, tu veux... ça doit être cet après-midi entre la c'est finale 5ème et la finale pour la 3ème place. Donc du coup entre la finale 7ème et la finale 3ème, vu que les matchs ont été intervertis. Donc ça sera cet après-midi aux alentours de 14h30, 15h je pense. Donc j'espère que Raphaël tu as tes réponses à tes questions. Nous sommes désolés de ne pas avoir plus d'informations et de précisions. Exactement, il faudrait qu'on nous les communique ou qu'on les demande. Mais Joey Mendy n'est pas disponible. Qui est le salarié du club qui est censé nous gérer. Il manque un joueur majeur à Vienne aussi. Nicolas, pourquoi tu mens ? Nicolas, c'est vrai, il manque Julien Mia année. Ah oui, mais effectivement. Oui. C'est vrai que Julien Mia n'est pas présent dans cet effectif, lui qui carie totalement cette équipe, quoi, on va dire. Qui était auteur d'un tournoi international à 25 points par match de moyenne. Non, 35. 35 par match. Il avait fait gagner Vienne à lui tout seul. Ah ouais, il les avait fait gagner, c'était assez incroyable quand même. C'était incroyable, mais bon, revenons-en en match. Exactement, avec Thomas qui nous dit Pissek, qui considère comme l'équipe la plus forte. Et c'est vrai qu'ils sont quand même très impressionnants. Oh, le gros champ, mon Dieu! Quel monstre! Quel shoot incroyable! Je pense que ce sera le plus beau tir à 3 points qu'on ait jamais eu dans ce tournoi. Incroyable! Quel tireur, ce numéro 5. Et le pire, c'est qu'il n'a rien touché. Marché départ, encore une fois. Et là, le numéro 5 de Pissek. Quel tir! Et numéro 5. Ah, mais quel tir! Nous reviendrons dessus à la mi-temps, c'est incroyable. 25-28 pour Pissek. Et 25-28 pour Pissek, là c'est. Et le numéro 5 de la Crolion. Oh! Numéro 5 de la Crolion qui est à 3 sur 4 avec à 3 points avec des gros long shots quand et même. Et le jump shoot et le rebond pour Pissek. Et ça relance vite. Pissek qui peut prendre un petit écart. Et qui. Pas de points accordés. Quoi? Il a touché la planche pourtant, le joueur de l'accro, le panier qui aurait dû être accordé. Et là le numéro 5 qui fait un équilibre, il me semble que le ballon a été touché. Mais il me semble que la planche a été touchée. Nicolas qui nous dit allez chute. Nicolas, déjà tu es censé être en train de réviser. Parce que tu passes des concours bientôt. Hein? Dans 3 semaines là. N'est-ce pas? Vous le voulez bien, Julien, pendant le lancer franc, mais revenons-en à ce tir ligne bleue. À ce tir magnifique. Sur la défense, à 5 secondes de la fin. Quelle adresse. Le plus impressionnant, c'est qu'il touche rien et il a. C'est comme les joueurs pros, c'est-à-dire que t'as pas l'impression qu'ils forcent quoi, quand ils font ces tirs à 9 mètres. Ouais. Et pourtant, ils les mettent quoi. 28-25? Ou 28-26, j'arrive pas à voir. 28-26 pour Pissek. C'est bon, j'étais bien à jour. Merci Julien. Et la balle sera pour Pissek alors que l'accro a l'air de réclamer. De monsieur les arbitres. Quelle erreur. Notre arbitre commentateur qui se plaint de l'arbitrage. Ah bah encore une fois. La planche qui est touchée, on l'entend malgré nos casques, pas de panier accordé. Andrea Violante qui dit ça bosse pas en médecine à Skip. Eh ben, Andrea, je dois te dire que
C'est ce que m'a dit Florian Pierre, hein. Moi je balance, hein. Nico, je te le dis. Ton frère m'a dit que tu faisais que jouer à Dofus, voilà. Théo qui dit je suis d'accord, Andrea. Et Nicolas qui dit ah mais t'es là aussi, bah pourquoi il ne serait pas là, c'est ça la vraie question. Encore une fois, hein, la faute inutile. Ah, les fautes inutiles, ouais. Qui donne en plus de lancers gratuits à l'accro. Ils sont dans la pénalité, ils le savent, les joueurs de Pisek. Wesh, il y a tout le monde MDR. Bonus. Bah, c'est le but de ce live, Nico. C'est pour ça qu'on a créé ça, c'est pour que les gens viennent nous regarder. Et se réunir tous ensemble, dans un bon état d'esprit. Exactement. Hein. Deux sur deux pour le joueur de l'accro. 2 sur 2, oui, en effet, là c'est. 30 à 28 pour Pisek. Ça les fait. L'offensive. Et la faute offensive. La faute offensive. Oui, bien sûr, toute la journée sur les jeux MDR. Bah, c'est pas moi qui le dis, Nico, c'est ton frère. Hein, donc, tu iras te plaindre à Florian quand il rentrera. Ou tu pourras l'insulter. Quel est le programme de la journée, messieurs? Alors, juste après cette demi-finale, Andrea, nous avons le match pour la 5ème place entre la meilleure équipe du tournoi à Vienne. Parce contre. Le Pôle Outre-mer Martinique. Il y a eu un changement de dernière minute. Hein. Exactement. Ensuite, nous avons le match pour la 7ème place entre Rieti et Bratunac. Ensuite, nous aurons la finale pour la 3ème place qui opposera du coup Limbourg au perdant de cette rencontre. Et ensuite, la finale qui opposera la chorale au vainqueur de cette même rencontre. Et n'oublions pas le concours de tir à trois points. Et les concours à tir à trois points et le concours de dunk, c'est vrai. Qui seront encore une fois, j'espère, du. Cet après-midi entre les matchs. Hein. Oui. Et oui, exactement. Écoute mon père Nico et va au boulot. Sinon, on va voir Bruno et on va lui expliquer comment ça, hein, se passe. Moi, je vais voir ton père. Moi, je vais dire ouais, Nicolas, il est sur le chat, il fait que parler, il travaille pas. Et les deux lancers qui sont rentrés, ils sont pas du tout rentrés. 1 sur 2 pour le 1 sur 2, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. 30 à 29. 30 à 29 en faveur de Pisek. En faveur de Pisek, d'un petit point. Ce match qui est vraiment extrêmement serré quand même. Hein. C'est. Un petit point. Et la claquette, peut-être non. Et la balle sera rendue à Pisek. La balle sera rendue à Pisek. Elle sera rendue. Alors, qu'un changement vient d'être fait du côté de l'accro Lyon. Et les supporters et le banc de Pisek qui crient pour encourager son équipe. Encore cette touche. C'est hein, une touche incroyable qui passe à chaque fois. Cette touche, elle est où vraiment? Je sais pas comment ils font pour ne pas arriver à défendre dessus, mais ils y arrivent pas. Hein. Il faudrait juste apprendre à mettre des alley-oop et le tir. Ouh, c'est un. C'est dommage, le tir était joli. Mais là, à mon avis, qu'on ne me parle pas de pas zéro, là, parce que franchement, il y avait marché sur le départ du 5, mais bon. Là, les deux lancers à suivre pour Pisek. Et encore une fois, le changement pour l'accro Lyon. Ouais, la sortie du numéro 15. Et la rentrée du numéro 12. Numéro 12 qui se donne beaucoup, hein. C'est un joueur qui. Il ne ménage pas ses efforts, hein, franchement, quand on le voit jouer. Très agressif. Agressif, hein. Très très agressif. Il en veut, bien sûr qu'il en veut. Et le premier lancé qui est rentré. C'est un peu de réussite encore une fois. Hein. Et plus 2. Plus 2 pour Pisek. D'avance. Et là. Et le. Deuxième lancé, plus 3, une grosse possession d'avance désormais pour Pisek dans ce deuxième quart-temps. Il faudrait un tir à 3 points de la part du numéro 5 pour débloquer cette situation. La contre-attaque. Alors qu'il reste une minute à jouer dans ce deuxième quart-temps. La gros. La passe qui a failli être interceptée. Oh là là, cette passe qui est. Il pas sûr d'arriver. Numéro 5 qui veut faire kick. Oh, quelle passe! Quelle passe incroyable à l'aveugle. Et la faute sur le numéro. Mais quelle belle passe! Meilleur joueur de l'accro pour l'instant, numéro 5. Ah bah, sur ce match, c'est vrai qu'il est impérial, hein, franchement. Oh là là, il bombarde à 3 points, les passes à l'aveugle, et en défense, il est irréprochable, aucune prise. Let's go, Cro! Joseph Enama qui nous dit let's go, Cro! Et oui, encourage ton équipe. Supporter les équipes françaises. Et le premier lancé. Le premier lancé réussi pour le joueur de Cro Lyon. Et qui reviennent à seulement 2 petits points. Et le deuxième lancé. Qui lui fait un 4 sur 4 pour le numéro 2. Et l'accro qui revient à un petit point. Un petit point, Julien.
MC là, oh, et là le physique. Travail à l'intérieur. Il fait parler son physique alors avantageux. 30 secondes pile à jouer. Il faudrait rentrer au vestiaire sur une note positive. Pour l'accro, oui, c'est vrai que s'il pouvait se rapprocher ou égaliser, alors que là c'est Pissek qui peut prendre 5 points d'avance avant la mi-temps. Ou 6. Ils vont aller au bout de cette possession. Ah, ils vont y aller. Numéro 5. Alors que là, il prend le shoot. Non, c'est raté. Et on en restera là sur cette mi-temps. 34-31 pour Pissek. On vous laisse avec le waiting screen. Et on se retrouve après pour le troisième quart-temps.
Et de retour en direct. Wouh, le marché qui a failli être sifflé là. Ah oui, encore une fois. Et là, le tir et le rebond peut-être. Non, dommage. Immense numéro 17. Ah, il a failli encore prendre ce rebond. Il y a un problème au score dès le début du match. Il manque 4 points. Nous vérifions ça. 34-31, non, c'est ce qui est affiché au tableau d'affichage. C'est ce qui est affiché au tableau d'affichage, on peut pas faire mieux. Donc on peut pas te dire, on n'est pas à la table, on n'est pas à côté d'eux. Nous on copie juste et on essaye de se tenir aussi, de marquer les points en même temps. Ouais, encore une fois ce gros tir. Oh, dommage. Ah non, désolé pas... Lucas, on essaie de faire au mieux, mais vraiment là on peut pas te dire s'il manque des points ou pas, parce que c'est ce qui est affiché dans le gymnase. Et c'est encore un... Comment ? Tir à 3 points pris hein, du numéro 5. Oui, c'est vrai. Long shot, hein. C'est vrai, c'est vrai, un c'est vrai. Pour cette fois. Et du coup, ah, ça lui fait. Il en a mis un, pourquoi pas, il pourrait pas en mettre un deuxième. Et du coup, il est à 3 sur 5. Il est à 4 sur 5. Il est à 12 sur 14. Même à 25 sur 36. Ouais, je sens que je t'ai perdu. Il a mis non, c'est vrai ? Oui, incroyable. incroyable. Ah, le premier lancé. Assuré. Ah, zéro. Les deux lancés qui ont été ratés. Hein. Oui. Ouh là là, numéro 9 qui passe sur un triple. Et la faute. Évidemment, faute. Faute sur le faute, ouais, faute du numéro 9 depuis sec. Hein. Ah, la faute, elle était. Ah, il pouvait l'éviter celle-là. Hein. Il y a pas eu sur ce... La remise en jeu ligne de fond pour l'accro. Et là peut-être le shoot, non, il a préféré partir au drive. Oh, et c'est la balle perdue, la dommage. Poussée. Il aurait peut-être pu se voir siffler une faute. Et là, le shoot est ouvert pour le numéro 16 qui rate, mais qui va essayer de chercher son rebond. Il ne l'aura pas. Et là l'accro qui doit marquer pour venir titiller là ces joueurs de Pissek et les faire douter là. Oui. Il n'y a que 3 points d'écart. Non, dans cette deuxième demi-finale. C'est un gros shoot ça. Et c'est une brique. Et c'est une grosse brique. C'est aussi, une brique. Mais le rebond offensif. Et le tir à 3 points. Le genre de l'accro qui sont allés gratter ce rebond. Et mais du coup il leur reste que 10 secondes de possession. Très très bon cross. Très grosse défense. Et la balle sera encore pour l'accro. Alors que mais il reste seulement 5 secondes pour tirer. 5 secondes. Ah, ils peuvent déclencher un tir. Hein. Si le numéro 5 ne faisait pas la touche, ça aurait été peut-être une chance en 5 secondes. Très bel appel du très numéro 13. Il n'aura pas les deux points. Oh, le pied involontaire. Oh, dommage, le numéro 5 qui s'est jeté. Et du coup, la faute qui lui est sifflée. C'est peut-être involontaire, mais c'est faute. C'est comme ça. Il s'est retrouvé sous les pieds du joueur de Pissek. C'est plutôt bien joué par le joueur de Pissek justement d'être allé chercher cette faute. Et en plus c'est la quatrième faute du numéro 5 qui va du coup sortir. Et qui met en pénalité son équipe pour le coup, parce que avec ses qualités de tir, avec son adresse et ses c'est quatre sûr. Fautes, il faudrait qu'il fasse un choix entre essayer de pas prendre de faute tout en marquant. Ou le garder sur le banc et le garder pour le money time pour aller clutcher. Ah oui, c'est vrai. Alors que là, le numéro 10 de Pissek qui vient avec son physique s'imposer et marquer 2 points. Très très bon joueur, hein. Numéro 10 de Pissek. Et ça fait 36 à 31. Et du coup, c'est le premier panier de ce carton. Exactement, c'est le premier panier de ce carton. Il n'y avait pas encore eu de. Mais du temps à entrer dans le troisième quart. La mi-temps peut-être pas fait trop de bien. Et puis c'est qui met sa fameuse zone en place. Et numéro 4 qui passe. Et la balle sera quand même pour l'accro. Et une seconde. Une seconde pour tirer. Ah, ils n'ont qu'une seconde. Ça va être du stop tir sur la remise en jeu. Et un tir forcé probablement avec la grosse défense. Ce sera un stop tir. Et non, les 24 secondes. Le numéro 11 qui n'a pas pu déclencher.
Et le coach de l'accro qui dit que c'est trop long leur système sur touche, et il a raison. Ils ont perdu trop de temps, du coup la défense a eu le temps de s'en. Et là, la perte de balle directement pour les gens de Pisek qui peuvent permettre à l'accro de revenir à hauteur là. Le numéro il faut marquer là pour l'accro. Très bien joué. Ah oh, le gros rebond. Dommage qu'il ne concrétise pas. Le gros rebond et voilà, enfin. Le numéro 13 sur ce rebond offensif. Numéro 13 il fait du bien hein, pour Crolyon. Hein. Ouais, le numéro 13 fait extrêmement bien. Ouais. Et l'offensive. Et là l'interception. L'accro qui va mieux. L'accro qui va bien mieux. Et le l'accro qui arrache N1 pour coller au score. Il peut peut-être revenir à moins 1 avec ce petit bonus. Et triple changement côté pisser quoi. Pisser quoi. Pisser quoi. Toujours plus. C'est-à-dire côté tchèque. Côté tchèque. Triple changement. Ah ça peut je n'arrive pas à sortir mon mot. Et l'ancien qui est rentré. Le changement pour l'accro. Et l'accro qui est revenu à égalité. Dans ce match. Non, 36-35. Pardon, j'ai rien dit. C'est pas grave. J'étais persuadé que. Ouh. Qu'ils étaient. Ils sont revenus à égalité 36-36, hein, c'est ce qui est affiché. Je okay, me disais aussi. Pour moi. Ce score de parité dans ce troisième quart-temps. Pour la première fois depuis le deuxième quart-temps. Oh, la faute, et la faute, rebond, bien évidemment, pour excès d'engagement du numéro 10 de Pisek. Et le coach de l'accro qui commence à perdre patience contre ses joueurs. Hein. Ouais, il commence à s'agacer un petit peu, ouais. Et contre son banc aussi. Très bien passé, numéro 13. Très bien géré cette zone presse. Ils s'en sortent bien les joueurs de Crolyon, nos petits lyonnais. Ouais. La longue passe. Et l'interception. Il restera 2 secondes à l'accro pour trouver un tir. Et ça ne passera pas. Il restera 2 secondes à l'accro pour trouver un tir. Encore une fois. Le coach de l'accro ouais, qui donne de la voix. 2, 1. Très bien fait. Et l'Eurostep. L'Eurostep du milieu de terrain. Et le contre. Énorme du numéro 13. Et la et l'interception. Que de perte de balle dans ce match des deux côtés. Et la sanction à 3 points. Trop court, bien évidemment. Et le rebond. Numéro 13. Très très mobile comme poste 4-5. Oui, regardez le speed move, incroyable, et l'accro qui repasse devant. Et qui donne le lead d'une attaque. Pour la première fois depuis un bon moment. Pour combien de temps le lead d'une attaque? Cela avec la pénétration du numéro 18, il vient forcer, et encore une fois le double bash. Il prend son propre rebond. Il réclame une faute, il ne l'aura pas. Oh là là, numéro 13 qui nous fait un festival. Et le noir, est non, dommage. Numéro 13, il nous sort le grand jeu. Il se balade tout. Il se balade. Sur tout le terrain. L'accro qui s'est réveillé d'un seul coup dans ce troisième quart. Et ça fait du bien à voir. Ils ont mis le mode marche. Ouais, c'est des moteurs diesel, ils sont longs à la détente. Alors que vous êtes 34 spectateurs à regarder ce live. Ouais, notre record a été de 35 sur le match d'avant. Et le premier lancer qui est concrétisé. Et n'hésitez pas à passer voir la finale pour supporter votre équipe. Et le deuxième lancer qui est concrétisé par l'accro. Et 36-40. 40 à 36 en effet. L'accro qui prend deux possessions d'avance. Et le banc qui encourage un Crolyon.
Impérial ouais. dans sa raquette, personne. Et là, le numéro 17 qui fait parler son physique encore une fois. Ah, dommage parce que le numéro 13 encore un coup. Et qui. Et exactement. Et là, le numéro 17 de Pissek qui ramène son équipe. Qui ramène son équipe à hauteur. Et le bon stop tir est relancé français, dommage. Et la touche sera pour l'accro. Et tout signe de fond, 14 secondes de possession à suivre. Exactement. Ils vont décider de jouer rapidement. Il reste. Cro, c'est ça mon petit. Pissek, ah, les supporters dans le chat qui s'affrontent. Qui s'affrontent les supporters. Et. 1 minute 30 bientôt à jouer. Dans la fin. Et là, l'interception. Et Pissek peut-être sur le shoot à 3 points. Et c'est dedans. Et Pissek qui repasse devant. Qui a le lead avec plus un tout petit point. Un tout petit point d'avance. Il reste 1 minute 20 à jouer. Ah, peut-être la réponse à 3 points. Et Pissek. Ouh là là, et là peut-être le rendu. Et c'est. Et non, ce ne sera pas rendu. Oh, et il vient gratter la touche. L'intelligence du numéro 13 des joueurs Pissek qui se font. Il vient gratter la touche, exactement. Il restera 7 secondes pour tirer et le changement côté tchèque. Et le numéro 12 qui se fait défoncer par son coach pour ce airball. Ouais, il était. Le coach n'était pas trop en accord avec ce shoot. Il avait peut-être une extra passe à faire ou à redonner à l'intérieur qui était en train de tourner. Numéro 13 encore. Et là, et le marché départ. C'est dommage. Pissek qui peut prendre un peu d'avance. Ah, Pissek qui pourra contrôler la fin de ce carton. Ils pourront contrôler. Et sortie poste pour poste. Sortie numéro 13, entrée numéro 15 de Crolion. Et là, c'est... Oh, il l'a vu. Oh, quel... oh le contre. Mais la faute est sifflée. Je suis plus sceptique là sur la faute. Mais bon, c'est il était monté quand même très haut là, le 8 de l'accro, pour aller chercher ce ballon. C'est dommage que le numéro 8 n'ait pas eu d'appel de ses coéquipiers, comme quoi la balle arrivait dans son dos. Il aurait pu se retourner et attraper. Cela passe, c'est vraiment passé à quelques centimètres de son bras. Ouais. Et le premier lancé. Pissé qui rate quand même très très peu de lancers francs. Hein. C'est... Ouais. Ils ont une très très bonne adresse. 2 sur 2 peut-être, et non, le bon rebond défensif du numéro 12. On va essayer de jouer vite, on cherche les personnes à 45. Bon démarquage. On fait toujours le même système avec cette ouverture d'écran après. Et l'interception encore de Pissek. Très très bonne défense de la part du numéro 10 de Pissek. Pissek qui défend très bien. Hein. Ouais. Et sans être ouh, en zone. Dommage. En plus, pour le coup. Et sans être en zone pour le coup, c'est vrai. Pissek sans être en zone. Hein. Qui et oui. À bien défendre sur ce coup-là. Et à la passe qui était mal assurée vers l'intérieur, du coup l'accro qui récupère le ballon. Il reste 42 secondes dans ce troisième carton. Ah, ça peut, il peut avoir beaucoup de possession et la zone presse effectuée et il s'en sort très très bien. Il faut aller au bout, messieurs. Et l'interception. Encore une fois, mais que de balles perdues, mais des deux côtés les balles perdues. Peut-être. Non. Non. Toujours pas. Ça laisse jouer. Marché départ encore une fois, il n'y aura pas de. Et le numéro 17, oh, qui fait parler son physique encore une fois. Ah, gros, mais qu'il joueur, est. Hein. Qu'il est fort quand même ce numéro gros 17. Joueur. Et Pissek qui reprend de possession d'avance. Et encore l'interception. Et avec la faute. Et Pissek qui finit très très fort ce carton. Ah, il finit sur une. Il reste 5 secondes pour l'accro. Et pas faute. Il n'y aura pas faute et c'est Pissek qui à la fin du troisième quart-temps est devant par 6 points, 46 à 40. On vous retrouve après pour le dernier quart-temps.
Et de retour pour ce dernier carton de cette deuxième demi-finale du tournoi international de Vienne. Deuxième demi-finale, autant passionnante que la première. Hein. Et aussi serrée. Et le retour en zone, la balle gagnée déjà pour l'équipe de Pisek. Entre les deux arbitres encore une fois qui laisse à désirer. Alors que là, oh, l'interception, grosse défense du numéro 4 et qui va marquer les deux points. Bien joué pour le petit numéro 4 avec son petit gabarit qui arrive ici à faire la différence en défense et sur sa contre-attaque qui s'est procuré tout seul. Exactement. Et là il va, il se sacrifie pour aller chercher la faute. Numéro 12 qui se sacrifie. Peut-être n'aurait-il pas dû. Ils étaient déjà deux dessus à l'avoir canalisé et à l'avoir excentré du panier. Et c'est deux shoots pour le numéro 7. Ouais, peut-être. Qui n'a pas pour habitude de rater ses lancers francs depuis le début de ce tournoi. Eh oui. Il rate pourtant le premier. Incroyable. Et le deuxième qui rentre. Et là, oh, la faute. La faute des joueurs de Pisek sur un excès d'engagement. Et dans son cocard, dans son œil au beurre noir déjà. Ouais, ça doit faire mal. Il est aveuglé. En même temps, il l'avait cherché, hein. Il avait déjà un coquard parce qu'il s'était battu dans les vestiaires, l'accro. Ils avaient eu un moment d'euphorie, s'étaient battus entre eux et un coup de coude mal placé, d'après ce qu'on m'avait dit hier. Ah, d'accord, moi je ne savais pas, j'étais pas au courant. Oh, il fait mal celui-là. Oh, il fait mal, ce shoot à 3 points. Des joueurs de Pisek. Et il gagne la balle en plus, ce genre de Pisek. Ils ont 8 Pisek points d'avance. Creuse l'écart. Et coup dur hein, pour le numéro 4, rappelons-le. Hein. Force à lui et à son œil. Quel numéro et le 17 qui rate cette fois-ci. Quelle prestance dans cette raquette. C'est clair. Et la faute du numéro 9 de Pisek, je pense, oui, c'est ça. La balle sera pour l'accro. Alors qu'il faudrait que monsieur Zion Behari arrête de dribbler. Ah, il faudrait qu'il arrête de dribbler, monsieur Zion Behari. Ouais, Zion Behari, c'est vrai qu'il devrait arrêter de dribbler pendant les matchs. Ça y est, il s'est arrêté. Oh, le. Et il était tout seul à 3 points, le rebond offensif peut-être qu'il va remonter et la faute. C'est dommage. Il y a deux lancers je pense à venir pour les joueurs de l'accro. Et toujours 50 à 42 hein, pour Pisek dans, Pisek, il sera dans ce dernier quart temps alors qu'il reste 5 minutes et 39 secondes à jouer. Et on fait comment ? Et c'est concrétisé, les deux lancers qui ont été réussis. Le tableau des scores qui peine à s'afficher. Hein. Alors qu'on peut voir les deux équipes à l'échauffement, POP Martinique, notre équipe locale de la VSR, qui jouera son dernier match de ce tournoi. Alors que là, le 10 qui a fait la différence, il trouve l'extra passe.
Et non, ça ne rentrera pas cette fois-ci. Le numéro 10 qui est monté sur le numéro 11. Ouais, il est monté dessus, c'est vrai. Ah, ils ont fait un petit saut de mouton entre les deux. Et à la croix qui a l'occasion de revenir dans ce match-là. Genre de Pissette qui est presque sur le terrain. 7 secondes à jouer. C'est bien joué ça, la fin de shoot. Ah, dommage. Et le très très bon rebond. Et très bonne interception là. Numéro 11, ah non, qui n'arrive pas à faire sortir ce ballon. Et oui. Et voilà, l'accro qui revient à 4 petits points. Très belle action défensive. Il savait que le joueur était arrêté, il ne pouvait plus dribbler. Il est venu lui arracher le ballon dans les mains. Incroyable. Et l'accro qui revient. Ah, on se shoot. Ce shoot était un peu forcé, je trouve. Il n'était pas en rythme, il était compliqué. Et là, là aussi c'était forcé. Là, Pissek qui part en contre-attaque. Et la balle qui sera quand même à Pissek, mais bien défendue. Bon retour de la part du numéro 9. C'est dommage, il avait tenté. Hein. Ouais, il a tenté de redribler. Il avait tenté, et du coup, sur cette action qui va laisser sa place, évidemment. Pour cette action assez cocasse, quand même, on peut le dire. Alors que là, la Croix a moyen de revenir à moins d'une possession. Et non, l'interception pour Pissek et la contre-attaque qui devrait se concrétiser. 2 points en plus pour le numéro 9 de Pissek qui redonne ce petit écart. Et la faute du numéro 7. De lancer franc. On change de caméra pendant les lancers francs. Et panier réussi pour le numéro 9 de Croix-Lyon. Passe-moi la batterie. Le deuxième panier est manqué, mais je vous le commente. Le numéro 5 qui est rentré en jeu de Croix-Lyon et le rebond était offensif. Et du coup, nous repartons à l'attaque avec le numéro 9 qui cherche son intérieur, numéro 15. Et le tir du numéro 11 à côté. Vite le cadre. Et j'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à dire en commentaire si nous avons rectifié le tir. Et les 3 points de Pissek. 55 à 46. Et 46 ou 47? 47? 46 sur 46. Le tableau d'affichage. Et Pissé, tu vois, la victoire se rapprochait de plus en plus. Hein. Ah, il reste 3 minutes dans ce dernier quart-temps de cette demi-finale. Et Pissé qui vient encore scorer 57 à 46. Pissé qui est en train de s'envoler là. Il faut que l'accro fasse un stop et marque là. Là, si le 5 pouvait sortir un 3 points, ce serait. Et l'accro serait bienvenu. Et non, c'est raté. Et là maintenant, le stop est impératif là pour les joueurs de l'accro. S'ils veulent espérer revenir dans la course, ce 9, 11 points d'avance, ça fait quand même beaucoup. Et là, ce tir à 3 points qui rentre. Et le temps mort demandé par les joueurs de l'accro. Ce tir à 3 points qui vient peut-être de tuer le match. Ouais. Et on vous laisse sur ce temps mort.
Donc du coup, la reprise de ce dernier carton sur ce score de 46 à 60 en faveur de Pissé qui reste 2 minutes 19. Alors que là, Pissé continue à presser, ils ne veulent pas que l'accro croit en un retour. Alors que là, le 5... Oh, c'est bien vu ça. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué là, cette action de la part de l'accro. Maintenant, il faut gagner ce ballon là. Il faut gagner ce ballon. Qu'il est important ce ballon. Et là voilà le premier stop. Maintenant il faut marquer. Une minute 40 encore à jouer. Et l'accro qui est toujours derrière. Et là peut-être. Non, le 3 points qui aurait pu leur permettre d'espérer. Alors qu'ils ont 12 points à rattraper en 1 minute 30. Oh, ça joue bien, ça joue bien. Et le 3 points qui est raté, et la faute, et les deux lancés à suivre pour le numéro 5 de l'Acro Lyon. Parce que l'équipe de Pissek est dans la pénalité. De lancer, il faut les mettre de lancer. Le premier qui est rentré, et 2 sur 2 pour les joueurs de l'accro qui reviennent à 10 points. Qui reviennent à 10 points. Alors que là, le numéro 5 est passé. Oh, ça joue bien côté Pissek. Ça joue bien. Et là, ça prend le rebond offensif. Il reste 50 secondes dans ce dernier quart-temps. Et Pissek est le numéro 11 de Pissek qui vient sceller le score de ce match. Je pense que là, il n'y a plus de doute sur le vainqueur et sur la finale qui opposera du coup Pissek à Roanne. L'accro qui jouera sa finale pour la troisième place contre les Hollandais de Limbourg. Pissek qui va remporter d'une main de maître encore ce match. En effet. Gros match de Pissek, hein. Encore une fois, grosse démonstration de basket. Et concours de tir à 3 points. Et il reste 4 secondes. Et Pissek qui s'impose ici dans cette demi-finale. Place, et nous connaissons donc la fiche de 63 à 50, ouais, la fiche de cette finale. Hein. Donc rendez-vous à 17h30 pour voir. Pissek jouait contre Roanne dans cette finale du tournoi international de Vienne. Oui. Du coup, j'espère que vous avez aimé suivre ce live avec nous. On va couper le live. Échec et mat pour l'accro. Let's go Pissek. Il n'y a plus d'électricité dans la salle. J'avais tout ça. Nous allons couper le live et le relancer dans 5 minutes. Ne bougez pas. Exactement. À tout de suite pour le match entre la VCR et le PV Martin. Exactement. À tout de suite.